Puis en passant, en terminant, hier, là, moi, j'ai su quelque chose, on recevait ça par texto dans l'émission, là. Le service de RTC de Québec, ils ont eu un sondage, de la part du syndicat, êtes-vous en faveur de la vaccination obligatoire pour vous? Après ça, là, on dit ça, après ça, la SAQ, ils testent, là, ils s'en vont vers la vaccination obligatoire pour pas mal de monde. Et José, on est la province la plus doublement vaccinée dans le monde. Avec une campagne qui allait bien de façon extraordinaire. Comment moffer? Comment saboter? Comment saborder un projet réussi ou tout près d'une réussite extraordinaire? L'impression qu'ils viennent d'allumer le pétard à mèche là, en faisant ça. Ben oui. José, pour répondre à ta question, tu as emmené un très bon point. Tu ne semblais pas comprendre la réaction des sondages. Bon, c'est en lien direct avec la dynamique familiale des Canadiens français vivant au Québec. Tu m'as entendu radoter à maintes reprises que la vaste majorité des rapports entre conjoints et des rapports parents-enfants sont sous un mode dominant-dominé. Je commande, t'obéis, calvaire. Et là, au Québec, c'est plus les femmes qui commandent. Elles commandent aux conjoints, pour la majorité, et elles commandent aux enfants. Elles donnent des ordres. Alors, je ne suis aucunement surpris que dès que tu fais un sondage, êtes-vous d'accord avec une mesure autoritaire? Oui! José, c'est nous autres! C'est nous autres!